Salam. Salam, salam, bye. Salam. Salam, wala kuru masia. So much. Hi. Iyo faraji we. Iyo kana resana na tine. Je suis un peu plus de temps. Sensible. Et puis là, le mal perforant des pieds. On a failli amputer cette jambe. Et là, il a dit non, je préfère traîner avec ça jusqu'à ma mort. Ici, les nerfs SPE extérieur qui est inflammé et qui est mort, insensible maintenant. Les nerfs d'ici sont tous déjà insensible, inflammé chroniquement. Il a fait déjà la polychimiothérapie de la lèpre pendant 12 ans, 12 mois. Et après ça, on dit qu'il est guéri, mais reste les handicaps comme ça, la griffe digitale, parce qu'il faudrait un massage, une physiothérapeute pour masser ses doigts pour ne pas rester comme ça. Et il est resté parce qu'il n'est pas une spécialiste pour ça. Ah, moi j'ai emmené. Ça fait 6 ans que j'arrive plus à marcher. Je fais quelques pas autour de ma maison, mais je ne fais rien. Je reste cloué sur ma chaise. Mon village ne m'a pas exclu pour autant. Je vis avec la lèpre depuis 20 ans. On regarde ça, ma boulevard. J'arrive à m'habiller tout seul encore, à faire tout. Enfin, me prendre un gamble, ça fait tout. Me prendre un milaoul, enfin, si j'ai arrêté, vite en avant. Nous avons lutté pendant 10 ans avec la polychimiothérapie, c'est-à-dire avec le rifampicine, la prenne et Dabson, 3 médicaments ensemble pour soigner. Tandis qu'avant, c'était la monothérapie. Et c'est efficace l'association des 3 médicaments ensemble pendant la durée de traitement, pendant 12 mois, la polychimiothérapie. Et quand le malade a pris ça, il s'améliore et guérit complètement parce qu'il tue le bacille de Hansen, le mycobacterium, le bacille de Hansen. Et quand une personne est attrapée pour ça, petit à petit, il entre. La lèpre, c'est une maladie lente qui se manifeste seulement après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en plus. Souvent, par exemple, si vous entrez dans la maison, c'est pauvre. C'est jamais, mais actuellement, ses fils et ses filles ont travaillé. Ils ont fait un building comme ça, mais c'est déjà pauvre. Pauvre en nourriture, pauvre en tout point de vue. Et puis il y a la saleté, la malnutrition et tout ça. Et puis le bacille est entré. Il entre dans des conditions qui sont insalubres. Oui, et on dit par croyance malgache, comme si que les personnes qui ne mangent pas beaucoup de fruits est facilement attrapé parce qu'il n'a pas de défense de l'organisme. Et le dépistage de la masse est important, soit même pour l'école des MAD. Mais tout seul, je n'arrive pas, mais il faut une organisation avec l'équipe de Raoul Folero à Madagascar.